La ville en a surpris plus d'un avec la fanfare Banda Tsukada, directement venue de France pour faire vibrer les Repentinois. Avec Maxime La France qui nous parle du grand défi Pierre Lavoie parce que la caravane en fait est disponible sur le terrain. C'est quoi exactement durant le festival, mon festival? Dans le fond, c'est quand même assez simple. L'idée, c'est de faire la promotion des saines habitudes de vie. On commence au rez-de-chaussée avec un atelier sur la nutrition, des grosses tables tactiles avec des jeux vidéo pour justement faire le lien puis aider les jeunes à avoir des notions en saine alimentation. Puis par la suite, on a un deuxième étage avec des vélos stationnaires qui sont reliés avec un système de jeux vidéo. Donc quand le bonhomme dans le jeu vidéo est en train de gravir une pente, ben le pédalier devient ressent. On le ressent, c'est ça exactement. Donc le pédalier devient de plus en plus dur. L'idée, c'est de faire le tour des écoles pendant la tournée, pendant l'année scolaire, puis la tournée des festivals des canjos pendant l'été. Ça fait plaisir. Merci. Donc, on retrouve Nathalie Choquette. Bonjour, Madame Choquette. Mais bonjour. Donc, on vous connaît surtout comme la grande soprano, comme l'artiste d'art lyrique. Mais là, aujourd'hui, on voit que vous proposez aussi un personnage pour le jeune public, donc pour les opérettes jeunesse. C'est la diva Malabouffa, c'est ça? La diva Malabouffa, voici Mimi en personne, qui vient expliquer les principes de l'opéra et de la malbouffe. Et pourquoi il faut pas en prendre aux enfants? Donc, Fredo, on te connaît surtout pour avoir fait des spectacles dans les écoles, etc. Mais là, c'est la première fois que tu es porte-parole pour un événement jeunesse à l'extérieur, grand public. Comment est-ce qu'on se sent? Bien, premièrement, c'est un événement auquel j'ai participé plusieurs fois dans les années antérieures. Et là, cette année, on m'a demandé d'être le porte-parole. Et j'avoue que c'était un mot juste de beau défi. Et j'adore les défis. Alors, j'ai bien aimé ça. Bien heureux. Mais c'est pas le seul à avoir aimé ça. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont apprécié de voir la binette en fin de semaine. Bien, je trouve ça le fun parce que je m'aperçois que les tout petits me connaissent pas mal. Fait que je trouve ça le fun. Ouais, bien agréable. Et tant mieux. Peut-être qu'on s'en voit l'année prochaine, tu sais. On dévoile rien maintenant, mais ça a l'air que ça se peut qu'il y ait une suite. Peut-être. Ah, okay, peut-être. Oui. On te souhaite. Bien, merci. Un gros bravo. Ah, merci. Donc, on retrouve M. Pierre Pratt, président de la corporation C'est Jeune. Bonjour, M. Pratt. Bonjour. Êtes-vous content du résultat pour la 19e édition de Mon Festival? Je suis très content, surtout que nous sommes allés dans la nouvelle partie du parc Lille-Lebel, dans la partie est côté fleuve. Je pense qu'on a fait un excellent choix cette année avec partenaire de la ville de Repentigny de nous avoir conseillé de venir sur la nouvelle partie, autant pour la famille comme pour regarder le fleuve. Et on attendait combien de personnes environ, puis combien est venu finalement? On attendait au moins 5 à 8 000 personnes. Je pense, je n'ai pas les chiffres exacts présentement, mais nous avons eu quand même une très belle participation. OK. Beau travail de la part de Fredo aussi comme porte-parole. Vraiment, les jeunes ont beaucoup apprécié, je crois. Fredo a été c'est la première année qu'on avait un porte-parole officiel. On est très, très satisfait de Fredo au niveau des enfants, puis même au niveau des parents aussi. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une belle 20e édition. Merci beaucoup. La 19e édition de Mon Festival s'est terminée dimanche après-midi, tout en chanson, avec le spectacle de Marie-Martine.